www.casarema.fr. Jacob avait dit, je vous annoncerai ce qui viendra dans la suite de temps. Pendant pour annoncer au Yulgeira. Commence à annoncer ce que tu veux dire à ses enfants. Pendant pour le parler. Commence à déclarer ce que tu veux dire. Dis ce que tu veux dans la vie des enfants. Déclare l'avenir. Annonce les paroles de bénédiction. Ce que tu veux dans la vie des enfants. Annonce les enfants. Amen. Laissez-moi avec les serviteurs et les ministres. Et les ministres. Nous allons parler pour ces enfants. Oyebi Balak. Tu sais Balak. Abengaki Balam. Il avait appelé Balam. Pour venir maudire les enfants d'Israël. Maintenant, moi, j'appelle ces serviteurs pour bénir. Toi aussi qui me suis par l'Internet. Le Seigneur m'appelle avec tous ses serviteurs pour cette activité personnelle particulière, pour cette activité solennelle, pour bénir tous ses enfants. Balaam est appelé pour maudire. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Les enfants d'Israël ne savaient pas qu'un prophète est envoyé pour les maudire. Les plans de l'ennemi qui se font pour que ces enfants soient détruits, tu ne les connais pas. Mais le Dieu d'Israël, c'est Dieu qui m'a appelé, m'a envoyé pour me lever et déclarer la bénédiction. Balaam est venu. Et Dieu lui dit, tu ne me diras que ce que moi je mettrai dans ta bouche. Et Balaam ne pouvait pas sortir la malédiction. Trois fois durant, il n'a fait que bénir. Le roi s'est énervé, s'est fâché. Il dit, je t'ai appelé pour maudire ce peuple. Mais toi, tu l'es béni. Il dit alors, donne encore les sacrifices. Encore sept. Ils ont encore donné sept sacrifices. 14 nyama. Ils ont donné 14 animaux à leur sacrifice. Deux animaux par hôtel. Quand il s'est levé pour parler, le
bénédiction. Encore des paroles de bénédiction. Le roi celui qui. Le roi s'énerve, se met en colère. Prophète Alobi. Le prophète lui dit. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Amen. Parce que ce peuple que voici deviendra un grand. Ils auront même leur propre nation. Ces enfants-là les voici devant toi. Je me lève pour bénir. Car il sera un grand peuple. Et auront des grandes places. Laissez-nous donc le temps. Que nous puissions parler. Nous puissions déclarer. Je demande à tous les serviteurs. Nous allons nous tenir. Et toi effacer plan sur Mumuna. Et nous allons effacer tous les plans de l'ennemi. Mélinio sur Mumuna. Tous les couteaux aiguisés de l'ennemi. Toloba. Nous allons parler. Bana auto juba molelo. Ces enfants nous les avons pris aujourd'hui. Pour recevoir maman sous l'année prochaine. Nous les aurons encore ici l'année prochaine. Pour que l'on rassemble bébé. Nous n'entendrons pas un mot. Pour que l'on rassemble l'ensemble accident de la route. Nous n'entendrons pas les accidents. Pour que l'on rassemble l'invalidité. Nous n'entendrons pas. Dieu de gloire, Zambé Tata, Seigneur Dieu, à Télémi le nom, je me lève aujourd'hui sur la vie de ses enfants. À Télémi le nom, je me lève aujourd'hui sur l'avenir de ses enfants. L'avenir de ses enfants. Je m'oppose, Père. Tous les plans du malin contre la vie de ses enfants. Je me lève cet après-midi contre tout couteau qui s'est élevé contre l'avenir de ses enfants. Contre les études de ses enfants. Contre l'avenir de ses enfants. Père, Tata, de la même façon, le Lenemoko, Abraham ne pouvait tuer son fils. Abalayama Kweko Boma Mwana na yete. Je déclare aussi, Tata Lilokola, aucun couteau de l'ennemi. Aucun couteau de l'air parabiologique de l'air ancêtres ne pourra détruire l'avenir dans le nom de Jésus. Ce sont les enfants que tu m'as donnés. Les
Les enfants que j'ai reçus cet après-midi. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Ils sont peut-être en vacances. Ils sont peut-être en péché. Mais je déclare au nom de Jésus. En t'écoutant. Ne te prends l'air. Écoutez, ne te couronnez avec nous. Dans le nom de Jésus, les enfants, je déclare sur vos vies, aucun couteau de vos parents, aucun couteau de vos parents, aucun couteau de sorcier, ni de cultisme, dans le nom de Jésus. Alors que vous êtes ignorants, alors que vous êtes des innocents, je déclare l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel se tiendra à côté de moi. Et la mort ne vous visitera pas. Allez. La mort ne prendra pas le dessus sur vous. Allez. L'entrée s'ouvre. L'entrée s'ouvre. Et la rentrée, c'est pour ce mardi. Je déclare les assurances, les mutuelles ne pourront vous couvrir avant les accidents. Mais le mon Dieu que j'ai pris, je déclare, j'ai pris qu'il vous garde, qu'il vous protège avant que les accidents. Je souscris pour chacun de ses enfants. Allez. Je souscris pour chacun de ses enfants. Une assurance de vie. Une assurance de protection. Une assurance contre les accidents. Une assurance qui protège contre les accidents. Contre les accidents. Au nom de Jésus. L'ange marche avec vous. L'ange vous protège. L'ange veille sur vos cœurs. Aucune influence de l'ennemi détruira vos vies. Dans le nom de Jésus. Et je me lève pour vous installer maintenant. Je me lève pour vous installer dans la victoire et non dans les échecs. Recevez la science. Recevez la sagesse. Recevez l'intelligence. Recevez l'ouverture de l'esprit. Recevez la dimension élevée. La compréhension de la science. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la faveur vous atteigne. Amen. Que la faveur vous atteigne. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh les enfants. Je déclare que vous êtes bénis. Amen. Je dis que vous êtes bénis. Amen. Il y a une étoile dans la vie de chaque enfant. Amen. Je dis une étoile dans la vie de chaque enfant. Amen. Je dis une étoile dans la vie de chaque enfant. Amen. Vos étoiles prient. Vos étoiles prient. Les étoiles prient. Je vous installe à la première place. Je déclare. Je déclare que vous n'occuperez pas les places que vos parents ont occupées. Vous occuperez des grandes places. Vous occuperez des grandes places. Que la promotion arrive. Laissez-moi prier pour les adultes. Qui sont à l'université, qui sont en train de chercher le boulot, ils ont obtenu des grands diplômes, mais le travail n'est pas encore là. Je prie pour vous tous. Écoutez, il y a un temps de subir la pression de ses frères et sœurs.
le soupir de l'environnement, de l'entourage, c'est ce que Joseph avait commis. Il a souffert de l'entourage de ses frères et sœurs. Il a souffert de l'entourage de sa patronne. Il a souffert de l'entourage de la prison. Mais quand le temps était arrivé, personne ne pouvait le retenir. Personne ne pouvait le bloquer. Je me lève sur vous, les enfants. Vous, les adultes. Vous qui êtes à l'université. Vous qui êtes en train de chercher un emploi. Un poste par rapport à votre diplôme. Je déclare dans le nom de Jésus. De la même façon, Joseph entra dans le palais royal. Vous aussi entrez là où la promotion vous attend. Dans le nom de Jésus. Vous ne connaissez pas le même sort que vos parents. Vos parents ont connu le chantier. Vos parents ont connu la basse classe. C'est ce que leur Dieu leur avait donné. Jacob a connu le primaire. Le primaire, l'agricole. Et l'élevage. Mais Joseph et son fils ont connu le coup royal. Je suis venu vous déclarer. Vous connaîtrez le coup royal. Le coup royal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez la chose. Vous avez le mystique. Vous avez l'influence. Vous avez l'esprit. C'est l'esprit qui vous conduira. L'esprit qui vous conduira. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Entre derrière l'éternel. Entre derrière l'éternel. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Dans le nom de Jésus. Préparez-vous maintenant. Préparez-vous. Parce que nous voulons préparer la rentrée ouverte. Parce que ton mito va être ton continent pour la cible. Yango, vous vendez la clé. Tellement. Tiens-toi debout. Ça. Prépare ta voix. Bondis sa voix. Bondis sa révélation. Prépare la révélation. Et ça l'a comme un tonnerre. Que ce soit comme un tonnerre. Et ça l'a comme un caquet, comme une foudre. Comme une foudre qui va descendre. Et ça va fondre la rentrée. Qu'il ouvre la rentrée. Parce que nous voulons déclarer. Parce que nous voulons déclarer. Nous voulons déclarer. La rentrée ouverte. La rentrée avec Jésus ouverte. On continue à mouler si comme Jésus. Tu vas crier. Dans la boganga. Moi, je vais crier. La rentrée avec Jésus. La rentrée avec Jésus. Yo boganga. Toi, tu vas répondre. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Boganga, elle est ouverte. Elle est ouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la boganga. Moi, je vais crier. Le temps de la prospérité. Le temps de la guérison. Boganga, elle est ouverte. Boganga, elle est ouverte. Elle est ouverte. Apprête-toi. Je crois à une rentrée. À une rentrée prophétique. À une rentrée pas comme les sautes. À une rentrée pour la grandeur. Dans le nom de Jésus. Et il y aura un esprit. Tu rentreras en toi. Tu t'agiteras. Comme Saoul était agité par cet esprit. Jusqu'à devenir le roi. De la même façon, les fils de prophètes ont vu l'esprit de l'Élysée. Tu auras l'esprit de la réussite. L'esprit de l'élévation. L'esprit de la gloire. Parce que la rentrée s'ouvre avec la puissance. Et les accidents ne viendront pas. Ni pour toi, ni pour tes enfants. La bonne amie. Tu es prêt, je suis prêt. J'ai la révélation. La zombie a rentré pour moi, ami. Amen. La zombie a ma silence, la vie. Amen. La zombie a ma contrat pour la yo. Amen. La zombie a venu pour la yo. Amen.
Je vois un avenir pour toi. Je vois le contrat pour toi. Pour tes enfants. Je vois les bons résultats. Je vois les échecs de ta vie. La rentrée avec Jésus. Là, nous n'avons plus obéi. Je ne t'ai pas entendu. La rentrée avec Jésus. Regarde, ça c'est la dernière phase. Ça c'est la dernière fois. Yasuka. Non, c'est la dernière phase. Ah, t'as connu Nangambo Yasuka, et t'es Yasuka. T'as besoin de m'ouvrir. T'as besoin de me fumer. Tu es en train de voir que les choses sont ouvertes. Tu vois ma camo et fumami. Tu vois le blocage s'évanouir. Ma blocage est foyer. Tu vois le chemin largement ouvert. C'est là mon fumami ça. Tu vois la voie largement ouverte. C'est là fumami prétendant. Tu vois la saison de la récolte. Tu vois les enfants prospérer dans la récolte. Ramener le bon résultat. Vive la bonne santé. Rentrez avec Jésus. Et tu vois le mariage dans cette rentrée. Tu vois les enfants dans cette rentrée. Tu vois la guérison dans cette rentrée. Tu vois la richesse dans cette rentrée. Tu vas commencer à épargner dans cette rentrée. Tu vois les choses s'ouvrir dans cette rentrée. À la rentrée avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Alors tu te mets. Sois offrande et ouverture. Prends l'offrande de l'ouverture. Sois offrande et ouverture. Prends une offrande de l'ouverture. Merci. Maman, vas-y, tu rentres avec elle. Ceux qui peuvent rester là, restent. Sois offrande et ouverture. Prends une offrande de l'ouverture. Alléluia. Si vous pouvez rester là, vous restez là pour ne pas se mettre les désordres. Nous arrivons à la fin. Comment? Ouais, d'accord. Les enfants sortent par la porte, la première porte. On prend une offrande d'ouverture et je clôture. Kobimate, si on n'a pas encore clôturé l'équipe. Nous arrivons à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la toute première fois à Paris, sur Casarima Télévision, revivez Adassa Meeting en live. Adassa Meeting à Paris, avec comme oratrice Pasteur Mireille Banza. Talita Kumi, Mwasi Amasia, Lamuka Napongi, Marc 5, 41, du 11 au 13 septembre à partir de 18h. Le samedi, atelier de 14h à 18h. Au 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Ça qui s'est passé à l'époque de Pierre, à notre belle, à l'époque de Paul, il n'était sans Paul, ça s'est passé ici. Est-ce que c'est qui m'a pas dit bonjour? Bonjour. Elle n'a jamais parlé. C'est mon explosion. Depuis sa naissance. C'est notre bonheur. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Pour vos réservations, contactez casarima@hotmail.fr ou par téléphone au +33 6 29 91 70 16. Elle aussi, elle avait la folie. Mais regardez comment le Seigneur a délivré cette femme. Je suis en train de montrer comment le Seigneur a délivré. C'est toi qui voulais te suicider. C'est nous autres, Père. Je voudrais me suicider avec ma fille. Mais même d'autres. Parce que je n'avais pas envie de dire. On est comme une mère. Mère partie de ma sœur. Votre fiancée.
qui est commencé, qui a commencé à me parler. C'est son frère de taille, mais... Et aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, j'ai trouvé ma paix et... Notre frère, on m'avait abîmé même dans mon lit intime. Ça m'a été mon frère. Surtout la ville. Il n'y avait pas bougé. On m'a senti vraiment moi dans un bouger dans le quartier de Boumbe. Elle a tiré. Je dis à maman Mireille, je vois que le Seigneur d'Atas a été différent. Contact par téléphone. Plus 33 1 48 12 86 82. Plus 33 6 29 91 70 16. Ou par mail casarema@hotmail.fr. À Dassa Meeting à Paris pour la première fois du 11 au 13 septembre 2014. Du lundi au vendredi de 18h à 21h. Et le samedi, atelier questions-réponses de 14h à 18h.